Que la famille, hein, c'est l'apprentissage premier. Il y a des grands philosophes qui ont déjà dit « tout se joue avant 6 ans ». Alors moi, j'ai vécu dans une famille de 6 enfants. Hein, j'étais le 6e. Mon père était un homme très occupé, très engagé. Il y avait un commerce qui allait très bien. Alors, il a fondé la Caisse populaire dans notre milieu. Il s'occupait du Club Richelieu, puis pour rendre service aux gens, là, papa il était toujours là. Maman, elle, c'était une personne à la santé très fragile. Et il fallait toujours qu'il y ait quelqu'un avec maman à la maison. Pas tellement dans la journée, mais en soirée. Si papa avait des assemblées, il fallait que quelqu'un reste avec maman. Je vous dis tout ça, c'est parce que ce que ça a développé, j'ai compris très jeune que on était heureux. Quand même, mes amis me disaient hey, « t'es pas chanceux, toi, tu peux pas sortir ce soir, il faut que tu gardes ta mère ». Puis je me disais ben, « moi, ça me dérange pas ». Puis j'ai compris que pour être heureux, il faut, dans une famille, que chacun se préoccupe du bien-être de l'autre. Puis vice-versa, évidemment. Puis je me disais ben, « pourquoi c'est pas comme ça en société ?» J'avais peut-être 15-16 ans, puis j'entendais parler pour la première fois du mot « éthique ». Puis j'avais demandé à mon père, « qu'est-ce que c'est ça, l'éthique ?» Et c'est lui qui m'avait répondu, « l'éthique, c'est que quand tu vas dire quelque chose ou que tu vas faire quelque chose, avant de le faire, demande-toi si tu fais du tort à quelqu'un. Puis si tu fais du tort à quelqu'un, dis-le pas ou fais-le pas. » Alors j'ai compris ça très vite. Alors, pas étonnant que quand je suis arrivé à l'école, ben alors quand ils demandaient quelqu'un pour rendre service, effacer le tableau avant que tout le monde parte, moi je disais « OK, moi je suis d'accord, je me rends disponible », puis je me disais « tout le monde va être content ». Bon, quand je suis arrivé au collège, j'ai été président du collège, de la récréation qui disait, président des étudiants. J'ai été au collège pendant 7 ans, j'ai été président pendant 6 ans, sauf la première année. Parce que à chaque fois qu'ils demandaient, on a besoin de quelqu'un pour faire telle chose, ben je disais, OK, moi je suis disponible. Mais c'est que je n'ai jamais rien fait seul. Je savais très bien que je n'étais pas un génie, que je ne pouvais pas être seul. Ma première préoccupation, c'était toujours, ben, je vais me faire une équipe. Qui veut faire ça avec moi? Et à l'université, ils cherchaient un rédacteur en chef du Quartier latin. J'ai accepté le poste.
Ah non, jamais j'ai dit, c'est moi. Non, non, non. Ça aurait été une erreur monumentale. J'ai toujours voulu travailler en équipe. Je me disais, puisqu'il l'offre à moi, je peux peut-être me trouver quelqu'un qui écrit beaucoup mieux que moi, puis qui va m'aider à faire des articles, puis à faire le journal. C'est l'histoire de ma vie. En 1944, les pompiers avaient fait une grève à Montréal. Et l'avocat qui les avait représentés était probablement un grand coopérateur. Son nom, c'était Maître Sylvestre. Et il leur dit aux pompiers, écoutez, vous avez fait la grève, finalement, ça vous a donné quelques sous de plus de l'heure. C'est bien. Mais vous avez quand même des bons salaires. Et si vous mettiez tous ces salaires-là ensemble dans une caisse populaire, vous pourriez vous entraider entre vous. Et ça serait aussi bon. Ça bonifierait ce que vous avez gagné par vos négociations. Que les gens ont dit, c'est une bonne idée. Avec André Lorrain, avec Albert Rémillard, Robert Supra de Canadair, ils se sont rendu à Lévis pour rencontrer le sénateur Vaillancourt. Le sénateur Vaillancourt, il a écouté ça, puis il a dit, vous êtes des catholiques? Ben oui, nous sommes des catholiques. Ben, il y a des caisses dans toutes les paroisses, allez dans vos paroisses, puis faites comme tout le monde. Ils ont dit, non, vous ne comprenez pas. Le lien d'appartenance qu'on veut créer, c'est notre lien de profession, le lien de métier. On a tous des gens qui sont dans la même profession. On connaît les conditions, on sait, on est capable de prêter sur la valeur morale des gens parce qu'on les connaît. Alors, nous autres, on trouve ça formidable. Puis, probablement qu'on pourra même s'installer dans l'usine ou dans un poste de pompier. Alors, que le sénateur, non, ça c'est franc-maçon, on ne fait pas ça, nous. Alors, là, ils sont revenus, puis ils étaient très, très déçus. Alors, ils sont affiliés à la Quebec Credit Union League. Ils n'étaient pas très heureux, mais d'autant plus que ça se faisait tout en anglais. Les services qui étaient rendus n'étaient pas très forts. Puis, il y avait l'assurance d'une compagnie d'assurance anglaise qui s'appelait Cuna Mutual, qui était une compagnie américaine. Et quand est arrivé les années 60, la Révolution tranquille, ben là, ils ont dit, s'il y a un bout, là. Ici, là, M. Lesage, il nous dit, mais chez nous, ici, on va parler français, puis etc., etc. Puis ils ont dit, nous, on embarque là-dedans. Et c'est là que j'ai eu le privilège de les recevoir à mon bureau. Un groupe de pompiers, de policiers, des employés de Canadair. Puis ils disent, M. Bellin, il paraît que vous connaissez ça, les coopératives. Nous autres, on est affiliés avec la Quebec Credit Union League. On est tannés, là, parce que tout se fait en anglais. On veut former une fédération francophone. Mais dans le temps, il y avait quand même quatre autres fédérations. Il y avait les caisses d'entraide économique, les caisses d'établissement, la Quebec Credit Union League et le mouvement des jardins. Alors, ils ont dit, s'il y en a quatre, il peut même en avoir cinq. Alors finalement, j'ai accepté. Puis le lendemain, je suis allé rencontrer le secrétaire de la province en expliquant le projet. Puis il a été très gentil, puis il a accordé l'incorporation de la Fédération des caisses d'économie et de crédit du Québec. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ils avaient peut-être à l'époque, là, je vous parle de mémoire, il y avait peut-être 14 caisses d'économie. Mais un an plus tard, grâce à Supra, grâce à Rémillard, grâce aux policiers qui aussi se sont joints, la CSN, la FTQ, André Lorrain, bien évidemment. Mais André, c'est comme s'il ne faisait pas partie d'un groupe. T'sais. Il était la conscience au-dessus de tout ça. Mais une conscience qui était très, très respectée. Moi, j'ai bien connu André. Et on avait bien des projets ensemble. C'est comme ça que ça a été créé et que ça a progressé. Je me souviendrai toujours aussi quand ils sont revenus de Québec.
comme tout bon avocat, j'ai envoyé mon compte. Et là, je reçois un téléphone de Robert Supra qui me dit ben écoutez, Maître Bélan, il m'appelait Maître Bélan dans le temps. On n'a pas d'argent, là, on part. Hein, puis, mais quand on aura de l'argent, on vous payera. Et comme moi, j'étais jeune avocat, puis que j'avais pas beaucoup de clients, tant qu'à rien faire, je me suis aussi bien pratiqué. Puis ce que j'aimais d'eux autres, c'est qu'on était en train de bâtir quelque chose. Tu sais, avocat, tu bâtis pas toujours, tu sais, quand tu fais une séparation d'un couple, tu bâtis pas quelque chose. J'étais pas à l'aise dans ça. Mais travailler avec mes connaissances juridiques à bâtir quelque chose, ça m'intéressait beaucoup. Et je pense qu'aux caisses d'économie, ils ont senti ça. Qu'en 1970, Robert Supra m'a invité à souper et m'a dit « Pourquoi tu t'en viens pas avec nous autres à plein temps? » Mais comme il m'offrait comme salaire la moitié que je gagnais comme avocat, je lui ai dit « As-tu objection? As-tu objection à ce que je garde un client? » J'avais un client qui était la compagnie d'assurance Bel Air. Mais j'ai tellement aimé ça, travailler avec ces gens-là, que finalement, j'ai abandonné la compagnie d'assurance Bel Air pour me consacrer à 100% aux caisses d'économie. Quand je vous ai parlé des années 60, quand les francophones ont annoncé aux anglophones qu'ils quittaient le mouvement anglophone, là, ils ont fait beaucoup de menaces. Et la plus grosse menace, puis ça les énervait beaucoup, ils ont dit, ben la CUNA Mutual, là, nous autres, on assure juste des gens qui sont membres de notre fédération. Si vous voulez vous en aller, il n'y a plus d'assurance. Et la loi obligeait les caisses d'épargne et de crédit à être assurées contre la fraude. Bon. Alors là, il était venu me voir. Moi, je connaissais M. Rouleau, Alfred Rouleau. Mon père avait été avec Alfred Rouleau, fondateur de l'assurance vie des jardins. Alors, on est allé voir Alfred Rouleau, puis on lui a raconté ça. Ben, il a dit, moi, je suis un assureur, puis si les caisses d'économie, je suis prêt, moi, je vais vous assurer. Alors, c'est bizarre à dire, mais si le sénateur Vaillancourt, des caisses, disait, on n'en veut pas de vous, l'assurance vie des jardins a dit, ben oui, on vous veut comme client, mais quand même. Et c'est grâce à l'assurance vie des jardins que les caisses d'économie ont pu commencer à opérer comme fédération. J'étais avocat de Bel Air. Et quand je me suis retrouvé aux caisses d'économie, j'ai dit à Robert Supra, les caisses de Bel Air, ils vendent en direct. Il n'y a pas de courtier. Alors pourquoi on ne dit pas à Bel Air, pourquoi vous ne venez pas vous installer dans une caisse d'économie ou à côté des caisses d'économie, puis vous offrez, en même temps, vous offrez des assurances. Ils ont dit, si t'es capable. Alors, moi, j'ai convaincu le conseil d'administration de Bel Air, parce qu'il m'avait nommé sur le conseil d'administration. Puis on a fait une entente avec Bel Air, et ça a choqué les courtiers, parce que Desjardins ne faisait affaire qu'avec des courtiers. Ils ont fait beaucoup de représentations négatives, là, et tellement qu'on a été obligé d'aller devant le gouvernement, faire approuver ça par une loi. Et je me souviens que tous les députés disaient « on ne peut pas faire ça aux courtiers, ça n'a pas de bon sens, vous ne pouvez pas vendre en direct. Ici, on vend les assurances par courtier, ben j'ai dit pas les Anglais. Puis si les Anglais, ils vendent en direct, pourquoi on ne pourrait pas vendre en direct, nous aussi? Hein? » La compagnie d'assurance Bel Air a accepté. On a été, les caisses d'économie, les premiers à offrir à des épargnants, à offrir l'assurance automobile. Ça a été une grosse bataille, parce que Desjardins lui-même décidait de dire à ses courtiers, « C'est dommage, mais maintenant, on va vendre en direct. » C'est de là qu'était la grosse bataille. Et c'est là que les courtiers de Desjardins sont allés au gouvernement en disant « Empêchez ça, ils vont nous mettre dans la rue. » Mais ça n'a pas été vrai parce qu'ils ne sont pas dans la rue, ils sont encore là. Puis tout le monde est heureux. Ouais.
Moi, je suis arrivé comme conseiller juridique en 70. Alors, je l'ai été jusqu'en 79. Et en 79, Robert Suprat devient le président et il me demande de prendre le poste de directeur général. Et le premier groupe que je reçois comme directeur général, c'est la Caisse d'économie de la Sûreté du Québec. Et le président de la Caisse de la Sûreté du Québec me dit, « Monsieur Bellan, on vous aime bien, on aime bien la Fédération des caisses d'économie, mais l'Union régionale des caisses populaires de Montréal, parce que c'est ainsi qu'elle se nommait à l'époque, nous offre l'intercaisse. Et pour nous, qui avons des policiers aux Îles-de-la-Madeleine, en Abitibi, à Rouyn-Noranda, partout, c'est merveilleux pour nous. Alors, je vous annonce qu'on va quitter la Fédération des caisses d'économie pour aller aux caisses populaires. » J'ai dit, « Écoutez, me donnez-vous un an. Et mon idée, là, c'était pas de s'en aller aux caisses populaires. Je pensais pas que c'était possible. » J'ai dit, « Donnez-moi un an, on va trouver une solution. On devrait être capable, nous, entre les caisses d'économie, de faire de l'intercaisse. » Alors là, j'ai suggéré au conseil qu'on voit les caisses d'entraide, la Quebec Credit Union League, les caisses d'établissement, la Fédération des caisses d'économie, qu'on se mette ensemble pour s'établir un système intercaisse. On était un peu genoux dans le domaine de la technologie, mais plus on avançait dans la recherche, ça nous aurait coûté énormément cher. Et puis, les caisses d'entraide disaient, « Mais moi, j'ai pas tellement besoin de ça. Moi, je fais des prêts aux entreprises. L'intercaisse, c'est pas ben intéressant pour moi. » Les caisses d'établissement, ça finançait des agriculteurs. Tu sais, les gens voyaient pas l'intérêt comme nous, qui avions des individus. Finalement, je me retrouvais à faire une entente avec la Quebec Credit Union League, qui financièrement n'était pas très forte. Alors, j'ai été obligé de dire au conseil, à un moment donné, ça ne sera pas faisable. Alors, j'ai dit, m'autorisez-vous à aller rencontrer M. René Courteau, qui était le directeur général des caisses, et lui demander si c'est possible, nous, Fédération indépendante, d'avoir l'intercaisse. Alors, je prends rendez-vous avec M. Croteau, un grand seigneur. Il ressemblait un peu au sénateur Vaillancourt. Et ça a été très court, notre rencontre. La première question, je dis, « M. Croteau, est-ce que c'est possible que les caisses d'économie profiteraient du système SIC, système informatisé des caisses? » Bien, certainement, M. Blanc, ils ont l'offre déjà aux caisses de l'Ontario. J'ai dit, ça, deuxième question, ça comprend l'intercaisse? Ah non, ça comprend pas l'intercaisse. C'est la comptabilité, c'est les comptes des membres. Non, ça comprend pas l'intercaisse. Troisième question, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse profiter de l'intercaisse? Bien, il me dit, il faut être affilié à Desjardins. Quatrième question, qu'est-ce qu'on fait pour être affilié à Desjardins? Il dit, il faut aller voir le grand patron, M. Rouleau. Puis que je connaissais. Merci. Alors, j'ai pris rendez-vous avec M. Rouleau et je lui explique le projet. Alors, lui, il dit, ça serait formidable. Bien, ça, c'est mon rêve. Si on pouvait réussir au Québec d'avoir juste une organisation, les caisses d'entraide étaient en train de fermer, les caisses d'établissement avaient fermé, la Quebec Credit Union League, c'était rien. Et si nous autres, on fermait, mais j'ai dit, il n'est pas question qu'on ferme, M. Rouleau. J'ai dit, nous, si on s'en vient dans le mouvement des jardins, on veut être une fédération. On veut être la 11e fédération. Il y en a 10, on veut être la 11e. Parce qu'on veut garder notre identité. Oh, il n'y a pas de problème. Il dit, Trois-Rivières, Québec, ils ont chacun leur identité. Vous autres, ce serait caisse de groupe. Mais il était très ouvert, très ouvert. Il dit, « Es-tu capable de vendre ça chez vous? »
J'ai dit, j'allais vous poser la question. Êtes-vous capable de vendre ça chez vous? Il dit, laisse-moi faire. Hein? Puis lui, c'est ma pensée, puis il me rappelle, puis il dit, qu'est-ce que tu penserais? On va te laisser ton nom de Fédération des caisses d'économie. Nous autres, on s'appelle toutes des unions régionales. Donc, on va tous changer de nom. On va s'appeler la Fédération de Montréal, la Fédération de Québec, la Fédération de Trois-Rivières. Donc, on va avoir 11 fédérations, puis on va créer une confédération. Puis moi, je vais devenir le président de la confédération. Moi, j'ai pas de problème, puis vous m'aidez, parce que ça va être plus facile pour moi de vendre ça. Parce que quand je suis retourné, bien, il voulait juste savoir s'il pouvait avoir accès au système intercaisse. Mais là, je suis obligé de dire oui, mais il faut s'affilier à Desjardins. Écoutez, ça faisait depuis les années 60 qu'on mettait dans la tête des caisses d'économie, qu'on était indépendants, puis on était les meilleurs. Puis les caisses populaires, c'était des concurrents. Les caisses populaires, toutes les caisses étaient très autonomes, très trop. Il y en a qui offraient des prêts étudiants, il y en a d'autres qui n'en offraient pas. Tu sais, c'était... On n'avait pas... Tandis que les caisses d'économie, ils connaissaient la force de la solidarité, puis chaque caisse offrait les mêmes services. Il y avait des gens autour de la table du Conseil des caisses d'économie qui étaient contre. Il n'y a pas question, tant pis si on n'a pas d'intercaisse. Mais avec le temps, finalement, les gens se sont rendus le 4 décembre 1999, il y avait un vote partout, et la seule fédération qui s'est prononcée contre, c'est la Fédération des caisses d'économie. Moi, qui étais devenu président du mouvement, je voyais ma Fédération des caisses d'économie me dire, non, on n'accepte pas ça. Mais ça c'est avec le temps, ça s'est réglé. Le conseil d'administration était formé du président et du directeur général des fédérations. Alors, comme j'étais directeur général, Robert Soupra, président, on s'est retrouvés tous les deux. On s'est retrouvés au conseil d'administration de la Confédération. Puis, j'étais un des rares autour de la table à soulever souvent des questions relativement à la nature coopérative du mouvement. En disant, bien, il me semble que ce n'est pas très conforme avec telle règle de l'Alliance coopérative internationale. Alors, les gens, ils m'appelaient la conscience de Desjardins. Mais tu sais, mais, c'est avec un peu un cynisme en disant, il est fatigant, lui. Et pendant ce temps-là, bien, il y avait le président, M. Blais, qui m'appelait souvent. Pour dire, regardons mon discours, qu'est-ce que tu ajouterais, toi, pour y donner une connotation coopérative? Et puis, je lui faisais des suggestions. Mais un bon matin, du mois de décembre 85, il m'appelle un samedi. Et ça, chez Desjardins, appeler le monde le samedi, là, c'est quand il y avait un décès. On dérangeait pas le monde le samedi puis le dimanche. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait. Il me dit, Claude, je m'excuse de t'appeler, mais pour le poste d'adjoint au président, j'aimerais ça que tu poses ta candidature. Ben, je dis, Raymond, je ne peux pas poser ma candidature. Moi, là, je suis avec les caisses d'économie depuis la fondation. Les gens, ils ont confiance en moi. Ils m'ont nommé directeur général, là, il n'y a pas longtemps. S'ils apprennent que j'ai fait application... pour aller à la Confédération, pas sûr que si tu ne me choisis pas, que Robert Soupra ne me mettra pas dehors. Parce qu'il aurait été insulté. Je connaissais M. Soupra, puis il était capable de faire ça. J'ai dit, je peux pas. Il dit, viens me voir. Alors j'arrive chez lui, il dit, j'ai appelé des membres de l'exécutif. Ouais, on va te nommer. Puis tu vas rentrer en fonction le 13 février. Ton bureau va être à Montréal. Il dit, moi, il dit, à cause de ma maladie, là, il dit, je vais être souvent absent. Et tu vas souvent me représenter. Je te dis, ta tâche, c'est que quand toi, tu vas parler, il va falloir que
que les gens sachent que c'est le président qui parle, que c'est moi qui parle. Mais toi, prends-toi pas pour le président. C'était un bon conseil, un très bon conseil, parce que j'ai fait ça. Et un an après, il démissionne. Alors, le président par intérim, il nomme M. Bernier, qui est le président de la Fédération de Montréal. M. Bernier, il prépare l'élection. Ah, il va avoir l'élection d'un nouveau président le 20 janvier 1987, donc dans un mois, parce qu'il il démissionne en décembre. M. Bernier vient me voir, tu as été nommé directeur général à l'unanimité. Je dis, ah oui? Ouais, et je te félicite. Mais il dit, tu vas être un des candidats. Alors, tu connais les règles, hein? T'as pas de campagne, t'as pas le droit de faire la campagne. C'était comme ça, c'était comme un conclave. Et j'ai été élu au deuxième tour. Pour moi, ça a été une surprise. Je réalisais que du jour au lendemain, alors que la veille, les journalistes ne me questionnaient pas sur grand-chose. C'est comme j'étais. Tu devenais un personnage public, et là, tu devais tout savoir. Qu'est-ce que vous pensiez de l'impôt qu'ils ont imposé, etc., etc., etc. Pfiou! Là, je me disais, ma vie vient de changer. J'ai fait cette vie-là pendant 13 ans.